Voilà, bonjour à toutes et à toutes, ici Faro, c'est lui, c'est Petit Vampire Gaming. Ouais. On est nouveau sur la suite de ce magnifique DLC. Franchement, il est super cool. Non, mais les ambiances sont, sont ultra travaillées. C'est bien en fait, attends. Donc, on venait de terminer la prison. Ouais. Alors déjà on récupère ça. Oui. Bien Paro. J'arrive. Moi je ressens pas de gros écho, ça va. Alors où est la suivante? Alors la suivante. Là il y a un hôtel, donc on va y là aller. Là où tapping. On va récupérer l'hôtel pour se faire une nouvelle arme et après on va aller chercher les deux autres. Donc la prison, j'imagine que le centre d'endoctrinement, ça doit être le deuxième endroit, et j'imagine que le dernier endroit, ça doit être l'église. Ça doit être l'église ou littéralement la ville de Hope Country elle-même. Ah, peut-être, écoute. J'ai pas assez avancé Far Cry pour te le dire. Du moins le 5. Je crois que j'ai même pas fini le New Dawn en plus. On l'a pas fini, ouais. Hein? On l'a pas fini, effectivement. Bien aimé New Dawn d'ailleurs. C'est sûr que tu es des gens avec un truc en métal à la place de leur mettre des patates, c'est plutôt sympa. Moi j'ai toujours aimé le concept d'avoir des pouvoirs dans un jeu surnaturel, donc. Pourquoi Far Cry c'est surnaturel? On en parle de mes pouvoirs dans New Dawn? Mmh. Non, c'est vrai que quand t'as... Il faudrait qu'un jour, si j'y arrive, il faudrait que je teste Dishonored sans pouvoir. Oh, si j'y arrive un jour. Hein. Mais ouais, dans un jeu où tu peux avoir du pouvoir ou quoi, c'est... ça change et c'est sympathique. Donc que t'aies le choix ou pas, enfin que t'aies le choix aussi. J'aime pas le concept de tenter de faire Dishonored sans pouvoir parce que... Parce qu'on brise l'essence de Dishonored. Hein. C'est même pas ça, c'est... Faire Dishonored sans pouvoir, c'est un peu... C'est un peu comme pas profiter de la magie dans un RPG, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Bonjour Paro, je prends la tyrolienne. Il y a un cœur. Calme-moi la force. Oh, tu viens de te faire péter. Non, c'est bon. Lance-grenade. Ouh, ça devrait te plaire. Allez. 22 disciples. Ah oui, d'accord. Ça pardonne comme ça. D'accord, ok. Donc il reste toujours 3 points de retard. Tu es au-delà du ciel. Oula. Ah,
mort en fait, mais ça va. Tranquille. Bah écoute, tant mieux. Il y a un gros truc rouge derrière. Oh, l'exécution qui a été cancel. Oui, parce que j'ai... What? Oui, parce que j'ai tiré un... Comment ça s'appelle? Un couteau en même temps. Pardonnez-moi. L'exécution tellement cancel. L'épreuve de foi, le lance-grenade. Ça, c'est pour toi, le lance-grenade. Alors, c'est vrai que le lance-grenade me sera plus utile que le... que l'arc. Moi, je peux garder l'arc. En plus, c'est un MGL. Ouais, te connaissant, ça correspond mieux. Cela me sera bien utile. Ouais, on va dire que je suis pas... j'ai pas une très bonne AIM. Alors, où est-ce qu'on peut aller? On va peut-être faire un point de sauvegarde avant d'aller, c'est la avant statue. D'aller se taper. Le second point, c'est la statue. Le quoi? La croix se trouve dans la statue. Ah. Bon, vu qu'on y est à côté, autant le faire. Ouais, en collection... Les visions. Oh, on peut récupérer les visions. Ah, l'arsenal. Ah, on peut changer l'arsenal. Par contre, ça va être drôle, une coop d'Annie Joseph, là. Ça va être très drôle. Hâte de voir les modes dans quelques mois pour jouer Paganmin, Vas ou Joseph dans la campagne principale. Tu sais que là, je suis en train de me faire. Enfin, je suis en train de me faire. Je fais comment dire, Far Cry 3, mais changé avec 6-3. Je sais pas si ça a un vrai intérêt, étant donné qu'on voit jamais notre personnage en... en TPS. Oui, je te l'accorde. Voilà. Encore si ça changeait le doublage, je dirais pourquoi pas, mais... Non, mais ça serait drôle, par exemple, que pour la Dany féminine, on est, je sais pas moi, Fate, tu vois. Ouais, comme ils avaient fait dans, comme ils avaient fait dans Far Cry 5, où tu pouvais mettre un skin de personnage, tu pouvais, si tu joues un personnage féminin, tu pouvais jouer Fate, et si tu joues un perso masculin, tu pouvais jouer Joseph dans Far Cry 5. Ah ouais? Ouais, ouais. C'était des skins de personnages sur le 5, ouais. Et tu les débloquais comment? Je sais plus comment on les débloquait, mais je les ai vus la dernière fois que j'ai lancé le 5. Oh. Ça doit peut-être être... Ah bah non, j'allais dire un ajout parce que le DLC est sorti, mais si tu l'as vu avant que le DLC sorte, c'est que j'ai dit de la merde, en fait. Pour non, je les ai vus bien avant que le 6 soit sorti. Donc... Ah oui, bon. Regarde ma statue. Brisée par le péché et la souffrance. Tout comme mon esprit. Je dois aussi la purifier et détruire ce qui la corrompt. Restaurez votre statue. C'est paradoxal parce que dans le 5, tu peux détruire la statue. Ouais. What the fuck? J'ai vu un gros bras se lever, j'ai pas compris. Oh, le juge! Le juge est là. Et c'est quoi le juge? Tu veux que je te dise? Bah ouais. Le juge, c'est le héros de Far Cry 5. Père. Ah, il y a une caisse en haut. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que je suis devenue ta face. Bien sûr, je me souviens. Face, qui veut dire j'avais foi en toi. La foi. La foi. Oh le bordel. Attention à ne pas tomber, ce serait regrettable. Quand tu m'as trouvé, j'étais perdue, effrayée. J'étais une victime. Allez, monte.
Et c'est exactement ce que tu cherchais, n'est-ce pas? Ah, ils ont le sens de la mise en scène, hein, je comprends. Que j'étais spéciale. Tu l'étais. J'avais besoin de toi. Alors je t'ai sauvé de toi-même. Et attention, on referme. J'imagine que là, celui-là, il va s'activer. Et quand il va s'activer, on va pouvoir le faire péter. Ah, j'en ai eu un en couteau. Voilà. Tu peux monter, mon frère. J'étais faible. Facile à manipuler. Mais tu pouvais m'apprendre à être forte. M'apprendre à être comme toi. Je crois que Faye, c'est un des personnages que j'ai le plus apprécié en tant que perso féminin dans Far Cry. Ah ouais? Faro, c'est mon cul, ça. Voilà, je vais pouvoir monter. Ah, peut-être pas encore. Tu m'as montré que j'étais remplie de vie et d'amour. Ouais, ça, c'est la... C'est ce que pense Joseph, mais en vérité, Joseph, il l'a drogué et lobotomisé son cerveau. T'apprends ça quand tu lis, une lettre dans Far Cry 6, Far Cry 5. En fait, pourquoi il est bloqué du coup? Il est bloqué parce qu'il doit, y avoir encore un furoncle quelque part. Ah non. Ah non. Oh putain. Faut pas avoir le vertige là. Ah, par là qu'on doit passer ou c'est par là que tu dois taper? Ah non, je suis tombé. Ah, tu dois... Ouais. Et putain, les morceaux de pierre que tu dois escalader, en fait, ce sont des livres. Ah. Alors, tu y arrives? J'essaie de voir s'il n'y a pas un... Ah, je vois un furoncle là-bas. Ah ouais, j'ai tapé là pourtant. Ah, au revoir Faro, ravi de t'avoir connu. Ah non, je suis juste là. Non, il manque un truc. Ouais. Je m'occupe des livres. Oui. Ça y est. Voilà. Au début, avant d'essayer de m'enfuir, je t'aurais donné le monde entier. Non. Il y a un truc à récupérer. Ah, attends. En face de toi. Salut le juge! Au revoir le juge! Je m'en occupe. J'aurais tout fait pour être l'unique, mais tu avais déjà... Oh merde! Ton cœur était si rempli. Face, ça suffit. Héros de Far Cry 5, seul héros de la saga Far Cry qui a gagné à la fin d'ailleurs. Ah ouais? Tu veux pas conserver tes munitions de lance-grenade juste comme ça? De quoi? Ouais, je pourrais utiliser mon pistolet, t'as bien raison. Alors, tu m'as emmené ici avec elle. Quand tu m'as dit d'avoir foi en toi, je savais que si je voulais être avec toi, je devais le faire.
que j'ai récupéré les trucs? Putain, j'ai peur de sauter trop en arrière et de m'éclater complètement en bas de la statue. Alors, Pharo? Ouais. Tu l'as sauté sur moi? C'est pas vrai. On arrive au bout. Salut le juge. Au revoir le juge. J'ai pris une grande inspiration. J'ai fermé les yeux et avec toute la force de ma volonté, je l'ai poussé pour devenir ta nouvelle face. Pour réaliser le plan de Dieu, j'avais besoin de quelqu'un de confiance, quelqu'un de docile. C'était tout ce que je voulais. Ah, donc en tout, Face a assassiné l'autre Face. C'est trop tard. Ok. On a TP en haut. Apparemment. La foi. Voilà. C'est le père dont je me souviens. Fort, puissant et terrifiant. La défense au corps à corps. Qu'est-ce qu'on voit? Oh, juste 1000 de pénitence. Faire un saut de la foi. Bon. Attends, il y a plein de cœurs là. Tu me dis quand t'es prêt à sauter? Sacré vue ici! Ouais, bordel de merde. Attends, y'a pas un coffre là qu'on a loupé? Non, c'est bon, de toute façon, si on l'a loupé, on peut pas le récupérer. Hein. Le petit clin d'œil à Assassin's Creed. Enfin, un saut de la foi. Attends. Putain, la statue, c'était une révélation, c'était même pas un... Non, c'est une révélation. D'accord. Oui, ça aurait été beaucoup plus coriace que ça, je pense. Ah, c'est assez intéressant. En tout cas, c'était assez intéressant comme révélation, et donc la vérité sur... En fait, dans les collections, t'as eu 7 pages de journal intime et t'as des chibis à récupérer. Gagne niveau Uplay. Ah yes, j'ai gagné des points Uplay. Un homme mort, souvenir, difficulté max. On est en train d'y aller, j'imagine. Par où tu vas où là? Je te rejoins. Ah. Ce qui est déjà pas mal en soi. Ouais, c'est ça. Regarde, t'as la croix dans le ciel avec des émanations ténébreuses, c'est par là. Bonjour. Hey, mais je te disais, la croix dans le ciel tout à l'heure. J'essaierai de faire un kill à l'arc de loin, mais je crois que je suis un peu rouillé là-dessus. Ah. Cette haine. On est d'accord qu'on a vu qu'il y avait un fantôme. Surtout qu'il était bleu, il était en allié. C'était Fate. Là, il y a une cage d'armes à récupérer là. Derrière. Ah, j'ai oui, déjà récupéré. Hop, un cœur. Ok.
Pharaoh, ok. D'où tu tires à travers les murs, quoi? Je te purifie, mon enfant! Tu sais pourquoi je n'arriverai plus à jamais à jouer le Chevalier Jedi dans Old Republic? Non. Bah, c'est le doubleur de Joseph Seed. Oh. Ah oui! Ouais. Le comédien de doublage masculin, oui, forcément. Ouais, donc forcément, c'est pour ça qu'il va falloir que je rôle un féminin, parce que c'est pas possible. Quoi, tu peux être la pire des salopes, hein. Attends. Oh. Je fais un chevalier Jedi inspiré de Joseph, tu sais. Oh, ça serait tellement classe. Tiens, une épreuve d'armurerie, là, mon cher Ocedus. Mais bon, de toute façon, je ferai plein de persos le 14, donc... C'est surtout que tu vas pouvoir avoir une malléabilité... Tout ce que j'ai touché doit être purifié, toi y compris. De toute façon, je pense qu'avant le 14, on aura fini ce DLC. On l'aura sûrement fini en difficulté max. Oui, parce que pour avoir la fin secrète, il faut le faire en difficulté max. Bon, quoi ? On est en ultra facile. Non, le but, c'est de farmer un maximum dans la première démence, de farmer un maximum dans la deuxième, et après de faire la démence 6. C'était le seul. Tu constates qu'on n'a pas beaucoup de difficultés pour le moment. Je suis désolé pour ce que je vous ai fait. Merde, je t'ai foiré ton truc. C'est pas grave. Par exemple, l'objectif là, c'est de ramasser toutes les armes, comme ça on sait exactement où elles se trouvent lors de la prochaine run. Ouais, parce qu'en vrai, le DLC il est pas très long. Hein. Je dirais en 3 heures max, tu le finis, tu vois, donc. Mais de toute façon, ouais, Démon 5, on le fera en off, sauf la fin. De toute façon, donc... Parce qu'il faut les faire plusieurs fois, les démons, c'est ça? En fait, il faut la faire minimum une fois pour débloquer les autres démons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en démons 1. Après, on va aller en démons 2. On va aller en démons 2 pour farmer un maximum. Et après, dès qu'on est full stuff et autres, on partira en démons 5. Parce qu'en démence 2, bah y a tu peux choper du très bon loot légendaire en fait en démence 2. Ah oui, genre le fusil à pompe explosif silencieux quoi. N'est-ce pas, Paganmin, t'as vu mes vidéos? Toujours aussi charmant cette statuette. Le nouvel Eden. Ah. Le nouvel Eden. Ah, ça c'est du New Dome. Ouais, vu comment les fleurs sont roses, ouais, tu m'étonnes. Et tout est en et rose, là. Ceci est ce qui se produira. Une autre vision. Ah, il faut sauver Ethan, il faut sauver le fils de... C'est exact. S'il te plaît, fais-moi descendre de là. Ouais, j'explore un peu, hein, tu m'en voudras pas. Ouais, on libérera après. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Ethan Seed est l'antagoniste principal de New Dome. L'antagoniste? Ouais. Parce que les jumelles, c'est des sous-boss. Oh. Donc je sais très bien, j'ai une idée de ce qui va se passer, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être pas le libérer tout de suite et qu'on visite le camp avant. Et ton fils, mon fils? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai pas d'enfant. Ça ne faisait pas partie de ton plan. Je t'ai entendu, j'ai écouté tes paroles.
Pourquoi tu n'as rien fait? Bon, moi j'ai l'air d'être ton axe, hein. Tu peux. Ah, j'ai récupéré une vision. Bon, bah allez, on le libère. Remonte à la source du péché qui m'entrave. Libère-moi! On s'occupe de la source. Accueille la mort! Tu es vraiment mon fils, alors je ne le permettrai pas. Je te protégerai de ma vie. Je te protégerai avec tout ce que j'ai. Faire une petite assassine, j'ai pas réussi. Tu n'en as pas encore terminé. Libère-moi. Je vais libérer les liens parce que faut. Je refuse que ça se produise. Ah. J'adore comme t'as fait une chute assassine, mais j'ai tué le mec juste avant. Ça m'a animé. Foiré. J'ai pas peur. Donc, du coup, le. Comment dire, le stuff de Joseph, tu le débloques à la première démence ou à la fin de des démences? En fait, je crois que tu dois. Ça dépend l'équipement. Les vêtements. Bah justement, ça dépend la pièce d'équipement. Genre le torse tu le débloques à la première démence, mais je crois que une pièce tu le débloques à la démence 5. Libère-moi. C'est quoi, tu... Allez, je coupe les liens. Je protégerai mon troupeau, peu importe qui ils sont, peu importe la manière dont ils viennent à moi. Je te protégerai, je te libérerai. Si tu me donnes pas ce qui me revient, je le prendrai moi-même. S'il te plaît, je ne veux pas te faire de mal. Comme je le pensais. Maintenant, rapporte mon corps. Fais-moi redevenir entier. Oh, une petite aide. Bon. C'est fini. Viens ici, mon enfant, je te protégerai. Quoi ?
Non, ça ne se passera pas ainsi. Il a tracé un chemin devant moi et je n'ai eu qu'à prendre une décision. Alors j'ai posé mes doigts sur le petit en plastique. Et je l'ai passé. Ah, ça c'est la fin de New Dawn, ça. Le Seigneur donne. Et le Seigneur reprend. C'est la fin de New Dawn quand le héros de New Dawn tue Ethan pour sauver Joseph. Je suis désolé. Mais du coup, Joseph a eu un enfant avec qui? Avec une femme. Merci. Mais on la connaît, on la croise pas dans les Far Cry. C'est, mais c'est sous-entendu qu'elle est morte. Elle est morte bien avant l'arrivée de l'officier. Non, c'est pas l'officier, c'est l'agent qui est cet enfant. Et donc, il nous reste plus qu'à. Tout ce que tu as dit n'était que mensonge. Ma fille. Mon bébé. Mes voix sont impénétrables. Et je t'ai cru. Tu as menti et je t'ai cru. Qu'ai-je fait? Ah ouais, là par contre j'ai effectivement entendu un doublon parce qu'il a hurlé. Je l'ai entendu aussi sur ton haut-parleur. On s'excuse encore des rares échos qu'il y a, mais malheureusement, Tivan a un matériel qui s'est fait arnaquer. Non, lui aussi il a cru le vendeur. En fait, quand il a dit ma fille, c'est parce qu'en fait, il a eu un enfant dans Far Cry 5. Et en fait, sa femme est morte en couche. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, une voix dans la tête lui a demandé de tuer son enfant, en fait. C'est pour ça qu'il a commencé à hurler « Je t'ai cru », parce que, justement, c'est assez intéressant, ça. À être quand même sacrément fort. Souvenez-vous de ces cris. Je suis désolé pour ce que je vous ai fait. Ça, c'est quoi? C'est un fusil de sniper. Ouais. Ça, c'est plus pour toi, ça. Écoute, le fusil à pompe me va très bien. D'ailleurs, le fusil de sniper, c'est pour... Ça remplace quelle arme? Ah, ça remplace l'arc, donc libre à toi de faire... Un outil pour purifier cet endroit. L'arc, ça me va très bien. J'ai confiance en toi. D'ailleurs, on a tellement de ressources. Ouais. Qu'en fait, avant d'aller au troisième endroit, on va passer dans le repère de la vallée. Histoire de se donner des améliorations, ce serait bien. L'argent t'a pris pour la récolte. C'était le seul moyen. Allez, mange mon livre. Retourne à l'Éden. Alors, le troisième lieu. Ah, bah, le troisième lieu, c'est Hope Country. Ouais. Forcément.
Ah oui, le fameux yes à la version hollywoodienne. Le pouvoir du oui. Et bizarrement, est beaucoup plus puissant que le non. Alors, c'est où pour augmenter sa vie ? Voilà. On a quand même chopé pas mal d'armes. Voilà. Bon, écoute, j'ai mis là où je pouvais mettre. Voilà, j'ai plein de gadgets, je sais pas du tout ce que c'est, mais... Dynamite, mine de proximité toxique, couteau de lancer. Moi j'ai juste le couteau de lancer. Mais ça me va très bien pour le moment. Je te purifie, mon enfant. On est des... Je crois que Necromunda il est en promo, je sais pas qu'il y en a. Ouais, ouais. Il y est. Je suis pas sûr qu'il y soit une fois que j'aurai mes teams le mois prochain. Je doute aussi, ouais. Il y a ça qui m'intriguait, je voulais savoir ce que c'était. C'est mon un livre. Recueil une de vision. Mes mensonges et de mes péchés. Un témoignage de tes exploits. Silence. J'affronterai mon passé et mes erreurs avec toute ma volonté. What? On va rentrer dans le livre. Est-ce mon corps? Oula. Sous l'arbre. Une autre vision, mon enfant. Ah oui, ça c'est quand il se fait tuer. C'est dans une des fins possibles, il se fait tuer dans New Dawn. Il y a plusieurs portes. Bon, on va prendre celle-là. Face, est-ce que c'est toi? Oula. Je suis venu te voir. C'est Nua, c'est toi? Tu me l'avais promis. J'ai peur, père, qu'ils arrivent. Il ne t'arrivera rien, parce que tu m'appartiens. Je te l'ai promis. Ils ne suivent pas la voie. Plus maintenant. Tu es au-delà du salut. Faith, je suis là. Sauveur, Joseph. Comme tu l'as toujours dit. Comme je l'ai toujours cru. Ma douce et innocente. Tes paroles me touchent. Lisez l'histoire de Face. Attends, il y a un autre cœur là-bas. Tristesse. Je pensais pas que lire un livre allait me téléporter. Père, tu te souviens quand tu m'as trouvé pour la première fois?
Yes. Ah, il y a différentes portes et quand on les a faites, il y a marqué yes. Je t'ai fait aussitôt confiance. Je t'ai donné mon amour. Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Et tu l'as pris. Tu as pris. Encore et encore. Ah! Et quand t'en retrouves une, t'as la photo de la personne retrouvée qui apparaît. Non, non, je t'ai tout donné. Ah, ce une sens chance, du détail. Un but. Nous étions une famille, Face. Eh, petit vent. Y'a que ça à foutre. Allez, blague à faire. Là, vu les munitions, c'est Jacob. À coup sûr. Parce que Jacob, c'est un ancien soldat. Jacob, tu es là ? Je n'aurais jamais cru te demander ton aide. Mais on y est. Bien sûr, j'arrive. Ah, ce flanc de montagne. Ce flanc de montagne, je le reconnais. Tous fans de Far Cry 5 qui ont tué Jacob le reconnaissent. Ah ouais. J'espère que t'es prêt, Joseph. Il y a de nombreuses personnes en colère prêtes à nous faire subir ce qu'on leur a fait subir. Je te protégerai, mon frère. Comme je te l'ai promis. Attends, on est d'accord que c'est pas mon Spotify qui passe en arrière-plan. C'est pas quoi ? Éliminez Joseph. J'entends une musique, j'ai l'impression d'entendre. Ah, ils ont utilisé des musiques de Black Flag. Ah ouais ? Ouais, écoute bien la musique. Quand t'as les navires légendaires. Mais oui ! Et là, qu'ils ont sorti. Putain, c'est pas la musique des. Je crois pas que c'est la musique des pirates. Des Rogue, peut-être, alors. Mais oui, il y a la musique de. On est d'accord. Mais ça n'a aucun sens avec la scène. On est d'accord. Comme tu l'avais dit. Mais oui. Je sais que ce n'est pas réel. Il me semblait bien parce je que le sur sais. Le moment ça m'a brain. Je me suis dit, pourtant... j'ai encore oublié mon Spotify en arrière. Je me suis dit, la musique elle est sympa, j'ai jamais entendu. Puis après, j'ai monté le son, j'ai fait, mais attends, va. Ubisoft qui met des easter eggs à ça, ça se il l'a déjà fait, hein, dans oui, dans... non, mais jamais un easter egg musical. Ils ont un souci avec Black Flag par contre, hein, parce que dans Valhalla il y avait déjà des musiques de Black Flag. C'est ça. Je sais où il range son arme et je sais comment l'utiliser. Tu l'as vu frapper John, c'est nous ou lui. Non, si papa meurt, on ne sera plus une famille. Ils vont nous séparer. Au moins on est ensemble pour l'instant, non? On sera notre propre famille, rien que nous trois, toi, moi et John. Non, j'en ai marre d'avoir peur de lui. Il est temps de se défendre. Jacob, non, attends! Nous n'étions que des enfants. Et pourtant, Jacob a fait ce qu'il fallait pour nous protéger. En même temps, Jacob, c'est le grand frère. Bon, retrouver les proches. 2/3. Bon, plus que le pouvoir du oui, maintenant. Le pouvoir du oui. John. Ou de son surnom, l'Inquisiteur. L'église de John. Joseph, c'est toi. Je suis à l'intérieur. FBI, open up. Pardon. Mauvais jeu. Ça a pas marché. John, c'est ma faute. Que puis-je faire ? Ils arrivent. Mais tu vas me sauver. C'est pour ça que tu nous as trouvés, Jacob et moi. Pour me sauver. Tu as raison, je vais te sauver. Parle du gars qui incarne Joseph Seed dans la vidéo que je t'ai envoyée. Il est complètement
aussi taré que... Mais c'est le gars qui a fait la motion capture. C'est l'acteur. Même il a dit, si vous êtes perdu, je serai là pour m'occuper de vous. Quelque chose comme ça. Ouais, de toute façon, Ubisoft, ils ont une façon de faire le marketing. On allait attendre l'effondrement ensemble. Le gars est plus flippant en vrai que dans le jeu. Merci, John. Merci. Allez, lis l'histoire. Allez. Alors, il était une fois... Perside, raconte-nous une histoire. John, t'as parlé de papa au prof, hein? Tu l'as fait, à vous. Et alors, un problème? Tu comprends pas. Ils vont t'emmener. Personne ne pourra plus te protéger après. Tu n'auras plus de... Oh, attends, il y a des cœurs. Quoi? Attends, non! Je voulais qu'il arrête. Je voulais juste qu'il arrête. Ça, je prends. J'ai passé ma vie à vouloir le protéger. Mon petit frère. Je l'ai déçu. Tant de fois. C'est bon pour le cœur, toi ? Les mitraillettes infligent des dégâts supplémentaires. Ouais, j'ai pris pour le pont. Vas-y, c'est bon. Ma famille. Pouvez-vous me pardonner ? M'apporter la paix. Et le livre se ferme. Oh là 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 là, Ubi. J'avoue que... Merde. Comprends-tu maintenant? Ils sont morts pour que tu puisses vivre et prospérer. Ah, il y a une icône de cœur qui est buggée, mais... Là, il y a un truc à faire. C'est dans la... Comprends-tu maintenant? Ils sont morts pour que tu puisses vivre et prospérer. Mais du coup, qui est la voix? Désobéis-moi. C'est le... Secret Story, pardon. Désobéis-moi. C'est pourri. Et meurs. Je pense que c'est le... Je pense que c'est retrouver. Le... C'est le Joseph... C'est dans la mort. C'est la voix psychotique Ce de Joseph. Ce n'est pas une option. Pas pour nous. C'est comme avec Pagan Min, en fait. C'est... J'en sais rien, moi j'ai pas les extensions, je te rappelle. Hein. Ouais, c'est pour ça que je te le dis. Merde. Qu'est-ce que c'est comme arme encore? Ça va être la dernière. La mitrailleuse. Vous êtes tel un cancer qui se propage, mais plus maintenant. Oui, c'est vrai, je fais encore plus de dégâts au pont. Désolé pour ce que je vous ai fait. Mais comment tu pourrais faire un chevalier de Jedi sous l'influence de Joseph? Oh, je me débrouille. Oui, ça je n'en doute point, mon cher Ocelot. Mes bonnes actions sont récompensées. Hop Country, c'est devant. Ouh, la MG42. Ça remplace quelle arme, ça? Bah oui, forcément que ça remplace le lance-grenade. Je vais quand même garder le lance-grenade, je pense qu'il me sera un peu plus utile. Je regarde s'il n'y a pas un truc à exploser, là, mais je pense qu'on l'aura entendu. Donc dès qu'on aura fait cette épreuve, on arrivera à la fin de la démence 1 et on va pouvoir tout clôturer. Et je pense qu'après ça, on fera une pause pour ton cerveau. Une erreur que je dois corriger. Écoute, pour l'instant ça va, j'ai pas trop besoin de... Bon, de toute façon, vu qu'on aura fini la démence 1, on aura fini les premiers records.
Mais de toute façon, on n'a pas fini tous les records, mais on pourra faire pas mal de choses en off, donc on pourra plus profiter au pôle. Trouvez et détruisez les sources de votre influence. Ah non, c'est pas Upcountry, c'est l'église. C'est Paul Hens. Ouais, ouais. C'est pas là où tu vas chercher le gars, tu vas chercher Joseph au début du jeu? Oui, oui. C'est aussi là où le jeu se termine. Trouvez et détruisez les sources de votre influence. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poire de ton J'avais tort. Je ne suis pas un messie. Je ne suis pas un sauveur. Ouais, mais avec ce que dit Joseph, j'ai plutôt l'impression que ça se passe après New Dawn. Ah ouais. Ouais, ouais. Trouve les maisons contaminées. Mais tu crois quoi, toi? Il s'est fait abattre. Oh, aucune... Ah! Qu'est-ce qui se passe? Faut rentrer dans l'église de Jérôme. Oh bordel! Jérôme, je souhaite me repentir! Je veux me racheter! Tu ne m'arrêteras pas! Ah! Moi je rentre comme un boulet en plein milieu, forcément. Mais comment je vais te sortir de là, moi? Bah tu tues le gars et tu runs. Ou sinon je te relève comme ça. Je change de position. Ouais, c'est Jérôme. Je vois plus rien. Bon, où il est? Où il est Jérôme? J'ai ses pilules pour lui. Oh. Ah bah Jérôme il m'a dit Et voilà. J'en charge. À cause de ce personnage que j'appelais tout le temps Jérôme, en fait. Parce que le pasteur de Far Cry 5, il était trop stylé. Bon, on récupère la dernière croix, et là, la fin... Black, là. Hein? Tu vois, c'est... Tu parles du Black? Je n'ai pas besoin de toi. Hein? Cet endroit est pur à nouveau. J'étais sûr que je serais capable de le protéger de mes péchés. En ai-je suffisamment fait? Les portes s'ouvriront-elles à moi? Cet homme s'est dévoué à notre Seigneur. Il y a une vision de Jérôme qui est en train de parler. Regarde au fond! Ça, ouais, c'est les bombes nucléaires qui tombent! Ah! Votre esprit s'effondre. Ouais, alors on l'a remarqué, merci. Te souviens-tu? Te souviens-tu de ce que j'ai fait pour toi? Retourne à notre église. Arrête de douter. Et reviens-moi. Oh! Oh, Martin! Ça, c'est les bombes qui tombent. Putain, c'est tellement bien fait.
C'est pas un orage ou un volcan qui éclate, là cette fois c'est les bombes qui tombent, putain. C'est Fallout, putain, on est sur Fallout 5. Ah. Mais du coup, niveau temporalité... Bah maintenant, on est à la fin de Far Cry 5, maintenant. ce DLC est un vrai bordel. Après, c'est un cauchemar. Donc en tout, il mélange le passé, le présent, le futur et autres. Et dès qu'on aura traversé l'Eden's Gate. Je savais que c'était un test. Et je savais que j'y parviendrais. Je vois les erreurs. Attends, vous. Ah. Regarde. Il va se passer quoi maintenant? Quoi? Quelque chose recouvre les portes. Elles sont fermées. Pourquoi? Toi et moi savons très bien qu'il n'a jamais été question de paradis ou d'Éden. Mais de pouvoir. Le seul moyen d'en sortir vivant est de l'accepter. Accepte-moi à nouveau. Non! Je trouverai un autre moyen. Je refuse de redevenir ce que j'étais. Ah d'accord, ça finit comme ça. Les gars sont chauds. Donc en tout, on va devoir tenir plusieurs vagues. Et là, on a trois fins possibles. On a soit la fin, on a tenu 5 vagues, soit la fin. Mais pourquoi il m'ouvre les jumelles, ce con? Pardon, excuse-moi. Ou soit la fin où on tient 20 vagues, et t'as la fin d'Aimant 5. Et vu comme on galère, je crois que... je sais pas combien... On va y réfléchir combien on va faire de vagues, on verra. On analysera à chaque fois. Je suis désolé, John. Chaque décision, chaque ordre, chaque vision, je t'ai gardé en vie. Je crois que Joseph, c'est mon préféré des trois pour le moment. Vas, c'est un... Oh putain. Pas gaffe, hein, moi je joue au lance-balle. J'étais aveuglé. Ma face, pardonne-moi mes péchés. Tu ignores tout de ma puissance. Accepte mon plan, ou tu mourras. Non! Je suis plus fort que ça. Je survivrai. Je prospérerai sans toi. En fait, tu découvres que c'est le protagoniste de Far Cry, la voix. Far Cry 5. Ouais, en vrai, ce serait pas étonnant. Fais gaffe, il y a un mec qui dit précision qui se balade. Un détail. Ah, il y a Jacob en haut. Je n'ai jamais voulu vous faire souffrir. Accueille la mort, mon enfant. Jacob, pardonne-moi. S'il te plaît, arrête. Laisse-moi vivre, libre de ton emprise. Putain, limite Joseph, c'est...
Ouais, bon, après, c'est parce qu'il est en pleine rédemption, donc c'est encore différent. Ou que tu aurais fait du mal. Enfin, dynamique. Tu as survécu. Nous avons survécu. Je n'abandonnerai pas. Oh. Mes péchés, je les ai admis. Je n'ai plus besoin de toi. Oh le bordel, ça flambe de partout. Bah oui, ça c'est... C'est à cause du feu radioactif. Ce conflit intérieur doit cesser. Accepte que ce que tu as fait t'ait rendu plus fort et permis de rester en vie. Non. Ah, il y a le juge. Par contre, la map est très grande par rapport aux autres. Donc on peut librement se déplacer dans la zone finale. Si je franchis ces portes, j'accepte mon destin. Je m'abandonne à toi. C'est exact. Alors on a le choix. Soit on tient jusqu'à la vague 20, ou soit on part maintenant. C'est de tenir. On va tenir, vu qu'apparemment on a l'air de bien gérer. Comme ça, on n'aura plus besoin de le faire après, si on tient jusqu'à la vague 20. Parce que 20, c'est la vague des monstres, c'est ça? La vague 20, en fait, c'est une fin différente. Ah... Sauf que comment t'expliquer que la vague 20, à partir d'un certain niveau de démence, on la fera pas. Hein. Ouais, mais tant qu'on a la... Tant qu'on a une fin... Vu qu'on a l'air de bien gérer, je pense qu'on va, rester... On va tenter de faire la vague 20, vu qu'on gère quand même suffisamment bien, que la map est suffisamment grande pour, pouvoir qu'on se soigne tranquillement. Mais en fait, si on finit la vague 20 en démence ou là, à ce niveau-là, comment c'est la même la fin, page. On est d'accord. Non, c'est pas la même en fin. Ce que j'ai ah, fait. C'est pas la même fin. Comment l'accepter? Et par contre, si on fait la vague 20 dans peu importe la démence, c'est la même fin. De réparer mes erreurs. C'est ça que je comprends pas. Je t'explique. Si on arrive, on arrête à la vague 5, mais qu'on est en démence 5, on a une fin différente. Ils avaient besoin. C'est par niveau de démence que ça change. Ce que ça change, c'est la vague 20 ne change rien au niveau des démences. C'est la vague 5 qui change au niveau des démences. Je suis désolé, John. Je n'ai jamais voulu vous faire souffrir. Et tu l'as explosé, John. Ouais, parce que quand je prends des dégâts, j'accélère. Parce que c'est vraiment ce que tu voulais. Écoute, il faut parfois partir non. En. Je me libérerai ou je mourrai en essayant. Par contre, ils ont pas remis les coffres, donc si on a plus de sang, on est baisé. Ouais, donc il faut éviter de tout ramasser au niveau des coffres. Bah, je vais simplement ramasser. Tu as trop oula le temps de ta véritable nature. Qu'est-ce que vous foutez là, les. Vois ce que tu es destiné à être. C'est quoi ça? Arrête de vouloir changer des choses qui ne peuvent pas changer. Avance. Ah Jacob, pardonne-moi. J'étais égoïste! J'étais aveuglé! Abandonne-moi! Ton corps ne succombera peut-être pas, mais ton âme si! J'essaie de te sauver, mon enfant! Laisse-moi faire! C'est bien d'avoir des cœurs, mais... Si on peut avoir autre chose que des mitraillettes, ça m'arrangerait, les gars. Pas. Tu n'as pas besoin de pardon. Tu n'as pas besoin de faire pénitence. Tu dois avancer et abandonner la culpabilité derrière toi. À la gravité du péché, si tu es loin d'avoir assez souffert. Merde, merde. Ma sœur, pardonnez-moi. Ouf. Je vous ai déçu.
Ok, t'es en train d'éclater des yeux. Bon allez, capitaine Salazar de chez l'équipe. Je suis désolé, John. Arrêtons de nous battre. Tranquille, on est à la vague 8. J'ai utilisé qu'une seringue sur la 3 vagues. Accepte-moi à nouveau. Moi, je vais reprendre un paquet. Ah, je n'ai qu'une seringue de soin. Est-ce que je peux regarder ça dans l'arsenal? Ah, on doit utiliser le miroir. D'accord. Par contre, ouais, si on galère trop, on peut aussi tanker depuis l'église aussi. Ouais, pardon. De toute façon, moi, j'ai 7000 points. Ouais, on peut tanker depuis l'église, ouais. Ouais, bah on fera ça que si c'est vraiment la moi, merde. Moi, j'ai plus de trucs de soins et je suis midlife, donc... Mais normalement, quand la vague se régénère, normalement, tu récupères des trucs de soins. Je ne peux pas l'accepter. Comment vivre avec toute la souffrance que j'ai causée? Je peux aller sur un... Ah, tu te soignes avec le livre. Avec le livre. Ouais, ouais, je t'ai vu utiliser une seringue et puis je t'ai vu planter le livre dans le bras. What the... Nous émergerons dans l'Éden avec de nouveaux projets et de nouveaux moutons en quête d'un berger. Nous survivrons comme nous l'avons toujours fait. Moi, au niveau du pompe, je fais des dégâts monstrueux, par contre. Accueille la mort, mon enfant. Retourne à l'Éden. Oh. Tu doutes de ma puissance, de ma domination? Abandonne, Joseph. Accepte mon plan. Ne vois-tu pas ce que j'essaie de te faire comprendre? Pourquoi je t'ai laissé lutter? C'est moi qui commande. Tu ne pourras rien y faire. Tu ne peux pas changer le passé. Bon, comme moi je peux, du coup, comme moi je peux exécuter, et bah du coup je peux enchaîner deux gars en même temps en fait. Au revoir, Face. Voilà. Ah, ce fusil à pompe il est extrêmement puissant. Laisse-moi vivre, surtout que j'ai des. Surtout que j'ai un cœur pour avoir encore plus de dégâts au niveau du pompe. Moi pas. Ouais. Il ouais, importe mais... peu que des gens soient morts ou que tu aies du mal. Tu as survécu. Nous avons survécu. Ah, Jacob, pardonne-moi. Désolé. Je ne peux pas encore m'arrêter. Arrêtons de nous battre. Alors moi j'aimerais bien une exécution pour Danny où tu tapes le gars et tu lui mets plein dans les yeux. Ce serait bien de choper les exécutions des DLC pour Danny. Parce que j'avoue que l'exécution du stylo. Ouais. Donc là on a fait 11 vagues, donc il nous reste plus que 9 vagues. Honnêtement, on est en train de super bien gérer. Ouh. Voilà, je m'étire un coup. J'en profite de m'étirer un coup et de me servir un petit verre de coca. Hop.
DLC requis, DLC requis, récompense. Ah, on gagne la tenue de Jacob sur la récompense. Bracelet de prophète, le père, et on récupère les gilets, jeans et les lunettes du prophète. Un homme mort, souvenir, c'est ce qu'on est en train de faire ? Ah oui, les portes d'Eden, oui. Mec, les gars, ils spawnent là comme des cons. Alors tu as fait ton choix. Tu n'es qu'une branche stérile, fille de ton fruit. Tu dois être abattu. Fais gaffe, Faro. Je ne peux plus faire souffrir. Et tu me le demanderas encore. Tu me l'ordonneras. Je le sais. Retourne à l'Éden. Par contre, cette musique. Ce conflit intérieur doit cesser. Accepte que ce que tu as fait t'est rendu plus fort, t'est permis de rester en vie. Si tu crois pouvoir contrer ils arrivent de là. Et survivre sans moi, il y a des loups qui viennent d'arriver. Survie. J'ai déjà réussi toutes tes autres épreuves, Seigneur. Celle-ci ne fera pas exception. Après ça, m'inspire un film, il faut que je le trouve. Désolé, je ne peux pas encore m'arrêter. Il importe peu que des gens soient morts, ou que tu aurais fait du mal. Tu as survécu. Nous on va pas se mentir que c'est, ce début d'année est quand même extrêmement violent avec les DLC, de Far Cry, avec l'extension de Guild Wars 2, l'extension de Old Republic, l'extension de Pathfinder. La refonte de The Old Republic. Hein. Je refuse de répéter mes erreurs. Dying Light 2, Elden Ring, Warhammer 3. Je l'attends pas, personnellement. Toi, tu l'attends, Dying Light 2 ? Je le prendrai en fin d'année quand il sera en promo. Mais parce qu'apparemment, il a une chier de défaut, donc. Je le ferai en fin d'année. Mais ce que je veux dire, c'est que. C'est quand même assez affolant le taux de contenu qui sort ce début d'année. C'est plus que ce que j'ai vu en une année et demie dans le gaming, quoi. J'ai mis deux têtes à Joseph, il est mort. Deux têtes à Joseph ? Ouais, tu sais, les mecs en jaune. Je n'arrêterai pas tant que tu ne m'auras pas cédé, Joseph. Et du coup, la pénitence qui reste, t'en fais quoi ? Tu la gardes pour la prochaine démence. Ah ouais, d'accord, donc. Sois ce que tu es destiné. Ne panique pas si t'as atteint 10 000 de démence. Non, je suis à 6400. Avance. Parce que moi je suis à 10 000 de démence. Et je pense que je vais tout mettre dans le soin. Même dans la santé, ouais, c'est mieux quand même. Dans la santé, ouais. Taro, sonne pas. Ouais. Par contre, il me reste plus qu'une seringue. Moi, il m'en reste trois. Bah, une fois que la vague va être terminée, on va pouvoir. Ah, bonjour, Fate. Au revoir, Fate. Voilà, il reste plus que 5 vagues. Jette-le. Toi, tu prédis le Covid, toi. Hein. De quoi le Covid ? Non, rien. Oh, on est à la quatrième, on est à la cinquième, on est à ceci. Oh, je sais pas si tu vois les références. Mais ouais, t'inquiète pas. Mais en tout cas, ouais, il y a une chaîne de contenu qui sort, et puis malheureusement, bah, j'ai dû faire un choix. J'ai dû clairement faire un choix. À la base, Dying Light 2, il m'intéressait, mais entre les DLC de Far Cry 6. L'extension d'Old Republic, l'extension de Pathfinder et Warhammer 3, j'ai fait bon bah Dying Light 2, désolé. tu viendras plus tard. Elden Ring m'intéresse absolument pas.
On n'en verra jamais sur ma chaîne. J'avertis d'avance. L'extension d'Old Republic, peut-être que je ferai une vidéo sur le nouveau créateur de perso. Oui, mais ça, c'est pas compris. Enfin, c'est pas lié à l'extension. Je me battrai. Oui, mais c'est une masse qui sort en même temps que l'extension, quoi. Ce doit être une épreuve. Je ne veux pas. Enfin, je te rappelle que la masse des 10 ans, c'est un an de cadeau. Ça va être mon C'est un an de contenu de qualité de vie. Ouais. Ces gens étaient des monstres. Ils avaient besoin d'un guide. Ils étaient prêts à mourir pour ça. Et tu en as offert un. Sois-en fier. Allez, les dernières vagues. Oula! Un poil cher. Bonjour. Voilà, 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 le chien, tout est calme. Putain, cette musique de métal. Juge, je te juge. Voilà, moi, il y avait six chiens qui m'ont foncé dessus, ça a été un bordel. Mon âme, de te sortir de ma tête. On va mourir à cause du feu. Je voulais récupérer le cuir, mais. Ce que j'essaie de te faire comprendre, pourquoi je t'ai laissé lutter. C'est moi qui commande. Tu ne pourras rien y faire. Tu ne peux pas changer le passé. Comment te pardonner, Joseph ? Je suis mort ! Tu ne peux pas protéger ! Désolé. Je ne peux pas encore m'arrêter. Faut que je bouge ! Je suis désolé, John ! Tu ignores tout de ma puissance. Accepte mon plan. Ah, Mitraïus, tu fais des dégâts supplémentaires. Je suis plus fort que ça. Je survivrai. Je prospérerai sans toi. J'adore comme la... Comme la vague 17 m'a éclaté, mais que la vague 18... Ça a été... Oula ! Nous émergerons dans l'Éden avec de nouveaux projets. Et de nouveaux moutons en quête d'un berger. Nous survivrons comme nous l'avons toujours fait. En les commandant. Je n'échouerai pas. T'es par terre ? Non, non, je suis pas par terre. Face ! Ma face ! Pardonne-moi mes péchés ! Chaque décision, chaque ordre, chaque vision, ah, t'as posé je l'ai mines. Gardé en vie. Ouais. Défie-moi et tu ne verras pas le jour. Oui, parce que t'as l'icône des mines, donc je me suis dit, oula, il faut que je fasse gaffe, mais en fait, non, ça va, elle saute pas pour moi. Il importe peu que des gens soient morts, ou que tu leur aies fait du mal. Tu as survécu. Alors, Paro, si je suis devant, Ellie. Jacob, pardonne-moi. Pourquoi? Je n'ai jamais voulu vous faire souffrir. Bah, j'aimerais éviter de prendre. une grenade dans la bouche, quoi. Pareil que c'est pas bon pour la santé. C'est pas conçu par mon médecin. Ah bon? Je ne te céderai pas! Je ne ferai plus souffrir quiconque sous tes ordres! Voilà, il reste une dernière vague. Regarde, j'ai mis un peu trop de mine. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de pardon. Tu n'as pas besoin de faire pénitence. Tu dois avancer et abandonner la culpabilité derrière toi. Ah.
Ah mais je suis dans le poison depuis tout à l'heure. Mais je comprends mieux. Ah, le prêtre. Voilà. C'est les pistolets qui infligent des dégâts. On ramasse tout puis on y va. Juste avant que je regarde un peu le... Non, pourtant mon processeur est pas élevé. Je sens une odeur de brûlé, mais je pense que ça doit être à l'extérieur. Une mitrailleuse. On doit aller où là? Là maintenant, il faut traverser le portail. Et accepter le destin de l'Eden. Allez. Ah. Et attends, on y va comme attends, ça, on aura débloqué la fin. Tenir pour une première run, c'est vraiment pas mal. Pardonne-moi d'avoir douté, ô Seigneur. Je savais que tu reviendrais, mon enfant. Mon fils prodigue. Je te protégerai. Je nous protégerai tous les deux. Et voici donc la fameuse fin où apparemment il y a toute une relation avec Joseph qui ne veut pas accepter son destin. Bon, bah, on va quand même passer ces génériques. Je doute qu'il y ait une cinématique secrète derrière. On sait jamais. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la Démence 5, il va falloir laisser passer les génériques, parce qu'il me semble, que c'est une fin post-générique, donc il va falloir laisser passer les génériques pour la Démence 5. De toute façon, on n'est pas encore en Démence 5. Et moi, j'ai débloqué les lunettes, le gilet et le pantalon. Ouais. De toute façon, on fera la Démence 5 plus tard. De toute façon, on a le... On doit se... On vous montrera à la fin Démence Vague 5 aussi. Parce que là, on va sûrement partir en Démence 2 pour se stuffer à mort. En off, bien sûr. Temps de jeu, 2h22.46. Voilà. Donc voilà, c'était donc Pharo séduit ses petits vampires gaming. Le début de ce magnifique DLC... Et donc la fin de la première run, j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine.